Allez. Tranquille. Les trois. Ouais, ouais, ils sont montés tous dedans. Bon, c'est monstrueux ça. Je t'ai dit que le bazooka, il faut qu'il y en ait dans la squad qui joue bazooka. MP silencieuse, mais maintenant si on rejoue, vu que j'ai plus l'assurance, je la perds, donc j'ai pas envie de jouer ça. Surtout que j'ai gagné sur une caisse 300 balles de Parabellum, donc du coup je peux la jouer. Civis Passem Parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. XP de Yarmus. Ta gueule. Donc nous avons Napoléon qui est l'un des meilleurs attaquants de l'équipe de France, qui peut être comboté bien entendu avec Pierre, son binôme de toujours, pour faire la fameuse attaque de la Tour Eiffel. Très stéréotypé, vous allez me dire, mais bien entendu, les animés dans les années 90. Nous avons deux blonds dans mon équipe, dans mon 11 titulaire, et ce sont des blonds aux yeux bleus. À croire que pour les Japonais, la race aryenne a laissé des traces pendant l'occupation allemande. Moi je vous dis, petite boisson, là, comme ça. Ça peut faire que du... Ah ouais, vous en foutez. Ah ouais, moi je vous parle comme ça, là, et vous en foutez. Mais toi, après, il saoule pas, là. Ah ouais. Non, mais parce que, tu sais, on est en période de canicule, hein, tu vois. Et je m'en fous, ta canicule, t'as qu'à acheter un ventilo. Non, mais c'est important de s'hydrater, Byron, tu comprends pas. Ça sert à quoi de t'hydrater en train... Tu vas pas t'hydrater si tu bois de l'Oasis ou... Ou je sais pas moi. Bah si, il y a de l'eau dedans, c'est bien pour s'hydrater. Sauf que moi je suis pas n'importe quelle boisson. Je suis pas n'importe quelle. Oh écoute-moi, je suis pas n'importe quelle boisson, ok. Moi, je suis un granité, ok. Je suis un granité. Je suis la boisson à moitié glacée, moitié liquide. Tu vois. Non. C'est le truc que tu te prends sur la plage, tu sais. Et quand t'as un peu d'argent, tu te le prends parce que tu te trouves assez bien. Puis après tu te dis putain, il manque 2 euros. Alors en fait, je peux pas avoir mon granité, tu vois. Et pourtant, je voulais mon granité. Et du coup, après, t'es obligé de manger du sable parce que t'es un putain de pauvre. Non, la violence de la fin de l'histoire. Ah, c'est parce qu'il te manque 8 majuscules, 4 minuscules, 7 chiffres, 12 symboles, un peu de sang de licorne, une bâche de piscine et une corde à sauter. Putain, mais il est dégueulasse mon perso, il est pas modélisé avec la cagoule, moi j'ai les oreilles qui ressortent de la cagoule. Tu le vois? Alors que in-game ça y est plus, mais là on dirait que j'ai deux tumeurs de chaque côté de la tête. C'est dégueulasse. Regarde ça, il est laid. Il est laid ce personnage. Il avait pas ma taille chef. Je me rappelle pas du tout. Voici votre champion. Oh merde. 32 500 frags. T'as vu comment je l'ai mis. Le pauvre, en même temps il se prend 15-0 quoi. Normal que tu rage quittes. Tu vois. Et non mon gars, c'est l'équivalent d'un cathéter mais qui t'enfonce dans le nez. Et là par contre, là franchement j'ai stressé. Je suis sur une chaise longue et... Elle est penchée, mais vraiment, j'ai la tête vers le bas, les pieds vers le haut. La femme, elle me tient le front, elle me plaque la tête contre la truc, je fais... Qu'est-ce que... Je sais pas ce qui va se passer. Elle fait... Je préviens, ça va être désagréable. Quoi? Tu sais, moi, je savais pas ce qui m'arrivait. Et là, je vois qu'elle sort un truc. Une tige. Trois fois plus épaisse qu'une putain de paille McDo noire qui te file pour boire ton milkshake. Un truc énorme. Horrible. Le truc, tu sais, déjà, t'as des sueurs, tu sues du cul, tu serres tellement l'arrêt que tu marques le cuir, tu vois. C'est un truc horrible, et là, elle commence à me l'enfoncer. Mais, tu vois, comment te dire, elle m'a touché un de mes le, putain, comment on appelle ça, le canal lacrymal, ça n'a pas arrêté de pleurer. Mes yeux sont mis à pleurer, j'avais pas forcément mal, tu vois, mais j'ai pas arrêté de pleurer. Le truc est allé si loin, j'ai l'impression qu'il est creusé dans mon cerveau, j'ai eu l'œil qui s'est révulsé. Et là, elle me le retire d'un coup sec, et là, j'éternue une massasse, mais devant elle, mais no pain, no game, le manga, c'était horrible ce qui s'est passé. Et là, elle fait, allez, maintenant, à l'autre. Et là, elle continue à me retenir la tête et elle m'enfonce le truc dans l'autre narine. Oh. Mais elle m'a enfoncé, mais ta gueule, elle a dû m'enfoncer, mais genre, mais sans déconner, je dis bien 8 à 9 cm de ma chaîne dans le nez. C'est horrible. Oh,
Non mais le truc, je l'ai senti se recroqueviller parce qu'il avait vraiment touché le fond, quoi. Et là, dans le fond, je suis pas ta mère, mais là, c'est dans le fond du nez, je suis pas ton père, en vrai. C'est incroyable ce qui s'est passé. Mais je l'ai mal vécu. Je suis rentré, elle fait, c'est bon, j'ai fini, vous pouvez revenir dans la salle d'attente. Moi, je revenais en pleurs, tu sais, les yeux qui arrêtaient pas de pleurer. Je me suis senti, mais violé dans mon intimité, mon gars. Mais j'étais pas bien. Et ça s'est passé vendredi dernier, mais j'étais mal. Je suis rentré chez moi, à l'appart, j'ai appelé ma mère, j'ai fait... Mais en fait, un dépistage nasal, c'est pas un coton-tige qu'on te met dans le nez, non. Il t'enfonce une espèce un espèce de cathéter dans le nez. Mais masse, quoi. La coqueluche, t'as même plus envie de l'avoir. Tu fais comprendre à ton corps, tu le refais plus, ça. En vrai. Non, 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 mais t'as été sage, t'es gentil, tu le refais plus. C'est fini, maintenant. Ah non, mais je me suis senti mais violé dans mon intimité. Et j'étais pas bien. Et je te jure, je me suis senti mal. Et j'ai eu des sensations dans le nez. Mais... Enculé! Ça va être horrible! Ah, mais tu vois, ça fait pas mal, mais c'est ultra désagréable! T'es en mode. T'as beau te contracter, tu sens que ça n'y fait rien, tu vois! Et t'es. Heureusement que vous êtes pas des meufs, hein! Mais elle dit, oh, vous pleurez! Généralement, c'est les dames qui pleurent! Mais ta gueule, putain, tu as m'enfoncé 8 centimètres de truc dans le nez! Tu voulais que je jouie ou quoi, putain, connasse! Ça t'a manqué de respect! Mais oui, elle m'a manqué de respect! Mais elle m'a enculé de A à Z dans mon intégrité, dans ma fierté, dans tout ce que tu veux! Mais j'ai plus envie d'y revenir, hein. Je vais faire un caprice si j'y reviens! Je vais bouder, en vrai! Ma mère va devoir m'accompagner, j'aurai les bras croisés tout le long. Hein. C'est... Non, non, c'est pas possible. Je vais faire l'amour, bon, moi, si on y vient. Putain, c'est... Oh, une sainte horreur. J'enregistre ce moment-là, ça, c'est parfait. Allez, hop, c'est bon. Allez, hop, ça, c'est fait. Ok, ça, c'est fait. Oh, en plus, on est synchro, Ellie, on est 6 synchro, toi et moi. Je prends pas feu ? Pas mal, ça. Celui-ci est encore chaud. Ah, ouais, tu m'étonnes qu'ils sont encore chauds. Le truc qui brûle sous mes pieds. Oui, il est encore chaud. Bien vu, Dina. C'est plutôt bon. Quand je vous disais justement que la nudité est présente, vous le voyez, il n'y a absolument rien qui est caché. Un éditeur de personnages est dispo dès le début du jeu. Vous pouvez faire un homme ou une femme. Vous pouvez même faire un transgenre. Vous pouvez, tenez-vous bien, customiser jusqu'à la pilosité pubienne de votre protagoniste. À vous de faire pour un garçon, si vous avez envie, pour le dire de façon assez drôle, un cigare à moustache ou un ticket de métro pour madame. Qui frappe à ma porte ? Personne. Tu crois que je vais me laisser à moi ? Ah oui, d'accord, oui, personne avec Ulysse et le cyclope. Hein. Je connais entre chez moi d'une cyclope au marin. Je trouve ça bien peu étonnant. Ah, les références sont vraiment folles, c'est vraiment incroyable. C'est un peu le but. Eh ben voilà, c'est terminé pour Phoenix. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a 2-3 longueurs, on va pas se... Donc, les crédits... Mais c'est exceptionnel. Oh, mais la tournure de ce jeu est folle. Mais il y a... Tout le cast, c'est Zeus, quoi. C'est génialissime. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Mais tu m'étonnes qu'on perde avec une merde pareille. C'est un scandale. Oh là là, mec. Mais arrêtez-le. C'est quoi ce... Oh mec. On a le... C'est la quiche Lorraine qu'on nous servait au collège, quoi. C'est incroyable. Les jours de rab, le jeudi midi. Incroyable. Ce que tu veux pas, tu sais, avec la mousse de canard et le pamplemousse à côté. Une sainte horreur. Putain, j'en veux même pas quand il y a du rap de ça. Ah, mais dégage. Oh, la sombre queue, quoi.